C'est une grande, une belle fête, la fête de l'Assomption. Mais parce qu'il y a un petit piège, il ne faut pas la confondre avec la fête de l'Ascension. Même si le mouvement général, vous l'avez bien compris, c'est « Au ciel, au ciel, au ciel !» Sauf que l'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel tout seul, parce que comme un grand, c'est Jésus, c'est normal, c'est Dieu. Alors que l'Assomption, c'est un peu du favoritisme. Mais ça fait rien, c'est sa maman, donc il a le droit. C'est Jésus qui élève Marie au ciel. Alors, pour ceux qui feraient des devoirs de vacances et qui sont en train de réviser les participes passés, il s'agit de « assumpta ». Marie a été élevée au ciel. Donc, c'est pour ça que souvent, dans les représentations de l'Assomption, nous voyons des anges en train de porter Marie avec leurs petites ailes. C'est mignon, hein ? Bon. Pourquoi est-ce que cette fête est aussi belle ? Pas simplement à cause des nombreux artistes qui se sont amusés à représenter Marie en train de monter au ciel. Pas simplement aussi parce que c'est la fête nationale française. C'est une grande fête, puisqu'aujourd'hui nous avons oublié la mort et la résurrection. Aujourd'hui, nous avons peint en blanc non seulement nos églises, mais surtout nos hôpitaux, avec des grands murs blancs qui font très peur aux enfants. Parce que on envoie nos malades, nos vieux, oui je préfère parler de vieux avec respect que de parler de personnes âgées pour les enfermer dans un placard et pour ne plus jamais les revoir. Et c'est pour ça que ça fait peur aux enfants. Parce que dès qu'on s'approche de la mort, on cache. Allumez une télévision, ouvrez un journal, regardez une publicité. Pas une seule fois vous n'aurez une personne avec un défaut physique. D'ailleurs, la plupart ne sont pas des personnes réelles, mais ont été complètement retouchées par ordinateur pour faire croire qu'on est tous parfaits. Et on va tous l'être, si on achète la crème miracle, si on boit le truc, machin. Nous sommes des êtres réels, et nous savons que nous sommes mortels. Alors là, vous êtes tous en train de vous demander, mais où est-ce qu'il est en train de partir? Je pensais que c'était un jour de fête. Comment est-ce que ça peut être un jour joyeux s'il nous parle de la mort? Ben justement parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Et que si on oublie la mort, on ne peut pas attendre la résurrection. Si notre seul espoir, c'est ce qu'on a dans la gamelle ce soir, alors cette fête ne va pas nous apporter grand-chose. Mais nous, nous savons que notre corps n'est plus forcément aussi plein d'espérance et d'avenir que lorsque nous avions l'âge des jeunes qui sont en premier rang. Nous savons que... Oui, je sais, il n'y a que des jeunes en premier rang. Nous savons que notre corps est plein de limites. Et malheureusement, nous imaginons trop facilement que notre corps va tomber en décrépitude, être mis dans un joli cimetière avec vue sur l'église, comme ici. C'est sympa comme cimetière. Et que, enfin, notre âme sera libre. Attention, ce n'est pas chrétien de penser ça. Notre corps et notre âme forment un tout. Et on ne peut pas imaginer les deux séparés. Je sais que notre âme est immortelle et que le jour de notre mort, notre âme sera unie à Dieu. Enfin, j'espère, en tout cas, si nous avons bien fait notre travail de chrétien, notre âme sera unie à Dieu. Mais à un moment, notre âme reviendra avec notre corps, ce sera le jour de la résurrection, et ce jour-là, enfin, nous pourrons faire comme la Vierge Marie et monter au ciel. Mais ce n'est pas simplement un bonus. Nous sommes notre corps. Pour essayer de l'expliquer, et ce n'est pas facile, vous avez tous essayé de faire des châteaux de cartes. Et un château de cartes, à partir du moment où il s'est cassé la figure, c'est plus que des cartes. Et l'idée du château de cartes va peut-être rester dans notre souvenir, surtout si on est un petit enfant et que c'est le grand frère qui l'a fait tomber et on va pleurer pendant 5 minutes. Mais au bout de 5 minutes, on aura oublié ce château de cartes. Et donc il restera peut-être les cartes qui sont là, mais le château, lui, n'existera même plus en souvenir. Nous sommes des êtres complexes. Nous avons un corps qui est une pure merveille et qui nous permet d'être unis à une âme
qui est capable non seulement de faire avoir une forme à ce corps, mais qui est capable aussi de concevoir Dieu. Et ça, c'est ce qui fait que notre âme sera immortelle. C'est ce qui fait que notre âme, même au-delà de la mort, sera toujours unie à Dieu. Mais quand elle sera unie à Dieu, sans notre corps, il n'y aura quasiment plus rien de cette âme. Elle sera plus capable de sentir, elle sera plus capable de voir, d'entendre, elle sera plus capable de... Alors, faites gaffe quand vous dites aux petits-enfants qui sont pas sages, attention, l'arrière-grand-mère, machin, est en train de te regarder, et elle te fait les gros yeux. Je dis non. Elle ne peut plus regarder, elle ne peut plus... La seule chose qui reste pour notre âme, c'est la capacité d'aimer. Et c'est pour ça que nous disons, par exemple, des messes pour nos défunts, pour que cette capacité d'aimer soit restaurée, agrandie, et qu'il soit capable d'aimer Dieu totalement. Mais imaginez qu'on vous enlève la vue, l'ouïe, l'odorat, la mémoire, tout, et qu'il reste juste une espèce de petite étincelle de rien du tout. Vous allez regretter cette époque bénie où vous aviez un corps. Ça sera ça notre état avant la résurrection. Nous aurons une espèce de soif, de désir absolu de vivre vraiment. Et c'est pour ça que la résurrection est si importante. Et c'est pour ça que notre vie aujourd'hui est si importante. Et ça, nous ne pouvons l'imaginer qu'à travers les yeux de la Vierge Marie. Parce que peut-être que Jésus voulait pouvoir la serrer fort dans ses bras et que c'est tellement important. Peut-être que Jésus, oui, savait que l'âme de Marie était aussi belle, aussi grande, qu'elle l'aimerait toujours, mais que ce n'est pas une maman tout entière, tant qu'elle n'est pas tout entière présente. Alors nous aussi, essayons de donner sa juste place à notre corps. Ne pas considérer les morts, par exemple, comme des choses qu'on n'a pas besoin de respecter. Non, nous ne les mettons dans les cimetières et nous les entourons de respect, nous venons prier sur ces tombes parce qu'un jour, ces corps ressusciteront. Et ça sera bien quand on sera ici à Bailly, parce que le jour de la résurrection, on sera tous avec une belle vue. J'espère que ça sera un beau lever de soleil. Voilà. C'est pour ça qu'on met autant de soins à entretenir la beauté, la pureté de notre âme par le baptême, par l'Eucharistie qui la nourrit, par la confession qui la ressuscite. C'est pour ça que lorsque nous sommes malades, nous demandons le sacrement des malades. L'un d'entre nous recevra ce sacrement dans quelques instants pour que notre corps soit à nouveau uni à notre âme. Parce que c'est ça la maladie, c'est ce moment où notre corps semble s'échapper et s'éloigner de notre âme. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens sont à Lourdes en train de prier. Dans quelques jours, beaucoup de personnes de la paroisse vont partir à Lourdes. Et bien que la prière de la Vierge Marie nous aide à véritablement vivre en chrétien, c'est-à-dire pas simplement une espèce d'âme égarée dans un monde que l'on détesterait, mais vraiment des personnes qui habitent ce monde et dont le cœur est déjà dans l'éternité, dont le cœur et le corps sont déjà tout entiers tournés vers l'éternité. Amen.